Bienvenue à tous, c'est Louisa, vous regardez Join. Aujourd'hui, on va parler candidature, entretien, période d'essai et gestion de carrière chez JobTeaser. Et si vous vous êtes toujours demandé comment rejoindre l'entreprise et que vous voulez avoir des tips d'insider pour y réussir vos premiers pas, voire vos premières années, eh bien vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je reçois Leslie, Léa et Pierre-Alexandre pour en discuter. Bonjour tous les trois. Bonjour. Salut Louisa. Comment ça va? Bien et toi? Très bien, je vous remercie. Alors Leslie, tu es HR Business Partner et tu vas nous dévoiler tes tips de recruteuse. Léa, tu es Account Manager France et tu vas pouvoir nous partager ton expérience de junior chez JobTeaser. Et quant à toi, Pierre-Alexandre, tu es Sales Manager et tu vas nous donner tes conseils de manager opérationnel. Alors comment intégrer JobTeaser? On parle de ça dans Join. Et Leslie, est-ce que tu peux nous parler du process de recrutement complet? Est-ce qu'il y a des particularités chez JobTeaser? Oui, complètement. Donc nous, notre process, il est en quatre grandes étapes. La première étape, c'est du coup un call de préqualification avec un RH, ouais. Où l'objectif, c'est vraiment de faire connaissance, de comprendre un peu pourquoi le candidat a candidaté et ce qu'il recherche. Si du coup cette préqualification est concluante, la deuxième étape, c'est de rencontrer son manager direct. L'objectif, là, c'est vraiment de voir un peu comment le fit passe, que le candidat puisse aussi poser ses questions sur le poste et sur JobTeaser. Et si c'est concluant, la troisième étape, c'est plus sur les hard skills. Okay. C'est une petite étude de cas, en général, qui est proposée au candidat. Et ensuite, si c'est concluant, dernière étape, du coup, qui est en deux temps, donc un last round, enfin un dernier entretien RH et un dernier entretien avec du coup le N+2, donc le manager de son manager, pour vérifier un petit peu le match commun entre le profil du candidat et cette opportunité. Donc pas mal d'étapes, mais le process de recrutement peut quand même avancer assez rapidement. Et j'imagine que le process, et tu parlais des hard skills et du test, il est différent d'une équipe à une autre. Tu nous en parleras tout à l'heure, Pierre-Alexandre. Complètement. Quand on parle du recrutement, on parle beaucoup de CV, de lettre de motivation, mais il y a des questions qu'on ne pose pas, comme comment préparer le premier entretien téléphonique avec le ou la RH. Leslie, tu peux nous dire comment le préparer et quelles sont les infos vraiment importantes? Eh ben, on relit l'offre un petit peu avant pour bien l'avoir en tête. On se renseigne un petit peu sur l'entreprise, donc savoir un peu... qu'est-ce que fait l'entreprise déjà, quel est son business model, quand est-ce qu'elle a été créée, quelles sont peut-être les actualités, pour montrer qu'on n'a pas candidaté là par hasard. Et on se prépare à des questions toutes bêtes, pourquoi tu as candidaté, savoir expliquer un petit peu son parcours, expliquer un peu pourquoi c'est cohérent et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Léa, tu hoches la tête, c'est-à-dire que tu l'as préparé comme ça ton... Oui, c'est ça. Moi, vraiment, en effet, donc se préparer un peu pour les questions basiques, on sait qu'on va les avoir, donc en effet, il faut les travailler en amont. Et pour moi aussi, l'enjeu, c'est un peu de savoir les informations que nous aussi, on veut avoir, parce que généralement, le premier call avec le RH, c'est toujours un peu plus général, on va dire. Et le but aussi, c'est un peu de voir un peu plus les spécificités, ce qui va m'intéresser, est-ce que moi aussi, ça va correspondre à ce que je vais rechercher. Exactement. Donc, se préparer aussi sur les questions que nous, qu'on a posées au RH, du coup. Tu te souviens des questions que tu avais posées à la RH en... Je ne saurais pas redire précisément, mais moi, il y avait vraiment des questions un peu sur... moi, du coup, j'avais candidaté à la base pour un poste différent de celui que j'ai aujourd'hui, donc pour un poste de business developer. Et j'avais posé du coup vraiment des questions un peu sur ce que ça veut dire en fait business developer chez JobTeaser, parce que d'une entreprise à une autre, ça peut varier. Donc, creuser un peu finalement ce que j'ai pu voir du coup des fois dans la fiche de poste, m'assurer que ça va correspondre aussi à ce que je recherche, etc. Pierre-Alexandre, tu recommandes au candidat, lorsqu'il a un premier call avec le RH ou le manager, de poser des questions directement sur... quel est votre ressenti dans l'entreprise? Quelle est votre place? Comment ça se passe avec les collabs? Ou c'est trop tôt? J'ai envie de poser la question aussi à Leslie, parce que pour le coup, ma réponse, ça serait plutôt oui. Ouais. Je me dis que plus c'est une discussion dès le début, moins il y a de mésentente entre guillemets sur le poste. Donc au moins, on lève un peu les doutes, les biais dès le début. Donc c'est plutôt une bonne chose, je dirais. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander, Leslie. Déjà, j'aime bien ce que Pierre-Alexandre dit. Effectivement, il ne faut pas oublier que... Le recruteur et le candidat, finalement, ils ont le même intérêt. Le recruteur, il a envie de trouver la bonne personne pour son poste et le candidat, il a envie de décrocher le poste. Donc, à partir de là, il faut arriver en étant détendu à l'entretien et le voir vraiment comme un échange. Donc, des questions qu'il ne faut pas chez JobTeaser, tu vois, quelles sont les questions qu'il ne faudrait pas trop aborder, qui sont C'est un bon point. En général, il n'y a pas vraiment de mauvaises questions. Il y a seulement le bon moment pour poser certaines questions, notamment, je pense, au point du salaire, qui est une question qu'on se pose souvent quand on est jeune diplômé ou quand on est étudiant. Moi, je recommande d'attendre plutôt que ce soit le RH qui en parle, notamment.
Tu m'avais dit aussi le dress code, on pose pas trop la question, ça fait un peu junior. Effectivement, je pense que le dress code, ça peut faire un petit peu junior de poser la question. Après, c'est une question qu'on se pose légitimement, donc on peut aussi regarder. Enfin, c'est une information qui est assez facile, je pense, à trouver pour savoir comment tu viens habiller à ton entretien. Par exemple, tu regardes un petit peu les photos des collaborateurs sur l'entreprise ou sur la page, sur la page Job Teaser, par exemple, de l'entreprise. Et c'est assez facile de voir un peu quel est le style vestimentaire. Est-ce que c'est plutôt costume-cravate ou est-ce que les gens sont plutôt en basket, ouais. Et on s'adapte pour montrer qu'on colle un petit peu à l'environnement. Quoi. Donc ça peut être réseaux sociaux, oui. Ou jobteaser.com par exemple. Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut systématiquement poser si le recruteur ne les aborde pas? C'est une bonne question. Je pense que c'est important effectivement à chaque fin d'entretien de savoir quand est-ce que le recruteur va revenir vers nous. Ou quand est-ce que le manager va revenir vers nous. Donc toujours être clair là-dessus avant de finir l'entretien, donc demander quelle est la suite du processus de recrutement, sous quel délai on peut espérer avoir une réponse. C'est important aussi pour savoir à quel moment relancer si on n'a pas de retour. Il ne faut pas hésiter à relancer. Par mail ? Alors on peut le faire par mail ou par téléphone à partir du moment où le délai qui a été annoncé par le recruteur a été dépassé. Ok. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on finit un entretien chez Job Teaser, est-ce que c'est apprécié que d'envoyer un mail déjà pour remercier le manager ou la RH ? C'est un tip. On peut le faire, ouais. C'est toujours apprécié. Et finalement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui le font, mais ce n'est pas si fréquent. Donc, ça peut effectivement permettre de se démarquer et de montrer en tout cas qu'on est motivé. Ouais. Et c'est toujours un bon point, ouais. Ouais, je pense que c'est subjectif, mais moi, j'aime bien aussi. Parce que en plus, on recrute quand même pour des gens qui vont être en face-to-face avec des clients, ouais. À longueur de journée. Donc, il y a quand même cette appétence pour l'autre, on va dire. Donc, moi, j'aime bien ce côté, on remercie, parce que c'est aussi un signe de politesse. Ce qui est rassurant après, parce qu'on se dit, face à un client, c'est quelqu'un qui aura des bons réflexes, a priori. Donc, il ne faut pas juste remercier, c'est important de remercier la personne qui nous a reçus, mais qu'est-ce qu'on écrit d'autre dans ce mail ? Il n'y a pas de mail, enfin si, alors j'allais dire il n'y a pas de mail type, mais en fait si, il y en a beaucoup sur Internet. Mais il n'y a pas de choses, enfin de formules toutes faites. Ça peut juste être un mail de remerciement où on confirme effectivement notre intérêt pour cette opportunité, où on dit en quelques mots ce qu'on a retenu du poste. Moi, je préconise de faire quelque chose d'assez court, de ne pas trop se prendre la tête non plus, quoi. Quelque chose d'assez... Petit rappel des missions, dire ce qu'on a apprécié, peut-être même poser des questions. Oui, bien sûr. Ça peut être un bon moyen justement d'ouvrir la discussion, de prolonger un peu l'échange avec notamment le manager. Ça, effectivement, si on a des... Alors qu'on ne se sente pas obligé de poser une question, si tout est clair. Mais si effectivement, il y a des points qui ne sont pas clairs, ça peut être bien de terminer par une question. Oui, et puis, moi, j'aime bien parce que le mail, a priori, ça veut quand même dire que tu as intégré l'entretien, tu as réfléchi, tu as pris un peu de hauteur, de recul. Donc, d'affirmer sa motivation à ce moment-là, je trouve ça intelligent. Ouais. Alors qu'avoir trop cette posture-là pendant l'entretien, tu te disais, est-ce qu'on peut poser des questions ? Si t'es juste en promotion de toi-même pendant l'entretien, je trouve que par moment, c'est pas... Ça ne met pas en avant, quoi. Ouais, et puis c'est un peu de la maturité aussi que de dire, c'est pas... vous n'êtes pas la boîte non plus parfaite, je ne suis pas le candidat parfait, donc discutons aussi. Je trouve ça sympa, juste au lieu de dire tout le temps, de se mettre dans une posture où on dit juste qu'on est bon pour... pour intégrer le poste. Donc, le fait d'avoir le recul et de dire après par un mail, en fait, je suis motivé, j'ai pris le temps, je suis motivé. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et tout à l'heure, Leslie, tu parlais du salaire. Tu disais, au début, il faut plutôt attendre que le RH pose la question. Moi, Léa, je voulais savoir, quand tu as passé ton process de recrutement, à quel moment tu as parlé salaire ? Est-ce que ça venait de ton initiative ou tu as attendu que le ou la RH vienne vers toi ? tu en as parlé tout de suite ? Non, tout de suite, pour le coup, du tout. Mais simplement, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder au premier entretien, parce que de la même façon que je vais avoir envie de comprendre quel est le poste, que je vais avoir envie d'avoir un peu de vision sur les valeurs de l'entreprise, me projeter, etc., finalement, ça fait aussi partie prenante de la raison pour laquelle on postule, c'est le salaire. Et pour moi, notamment si on est par exemple en process avec d'autres entreprises, etc., ça me permet un peu de savoir si ça va me correspondre, etc. Donc pour moi, en tout cas, je préfère partir du premier entretien RH avec ces informations-là, quitte à ce que ce soit pas, et ça arrive, d'accord, je crois que c'était peut-être le cas pour Teaser, j'avais pas forcément le chiffre exact, mais on a une tendance et ensuite on affine en effet au fur et à mesure des entretiens qu'on passe si on avance avec Job Teaser. Parce que les offres d'emploi pour Job Teaser, il n'y a pas écrit la fourchette de salaire sur les annonces ? Alors non, on l'indique pas directement sur les annonces. Après, effectivement, moi c'est une question que je pose systématiquement aux candidats lors du premier échange téléphonique.
pour effectivement ne pas faire avancer un candidat pendant, enfin, lui faire les quatre étapes exactement de notre process de recrutement pour à la fin se rendre compte que finalement c'est dommage, on ne va pas pouvoir avancer ensemble pour des questions qu'on aurait pu voir dès le début. Donc, et où est-ce qu'ils peuvent se renseigner pour savoir les grilles de salaire à peu près sur un poste pour, C'est un bon point. Tu parlais aussi tout à l'heure, tu nous demandais du coup les points qu'il fallait travailler avant son entretien téléphonique. C'est important qu'il soit effectivement d'arriver au clair sur ses prétentions salariales, de ne pas se laisser surprendre par cette question puisqu'elle est la plupart du temps posée effectivement dès le premier échange téléphonique par le RH. Donc où est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur Glassdoor par exemple? Et ils peuvent regarder un petit peu, il y a plusieurs benchmarks aussi qui sont faits par des cabinets de recrutement qui sont en général mis à disposition sur Internet, pour savoir aussi à combien ils peuvent prétendre, ils peuvent se baser sur les grilles de, leur, ouais, de leurs écoles. Et puis c'est bien en général de donner une fourchette, de donner une fourchette plus qu'un montant fixe. Oui, fixe. Toi, tu poses la question? Que je considère que tu l'as fait avant, ouais. Leslie, oui. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas trop. Mais non, après, il y a une autre possibilité qui est vraiment pour les vraiment motivés, c'est de contacter un AM sur LinkedIn avant l'entretien. Voilà, je pense que c'est peut-être pas mal d'attendre quand même le deuxième round pour être sûr quand même qu'on est raccord sur les attentes respectives. Okay. Mais une fois que c'est validé, ça peut être pas mal effectivement de rentrer en contact avec un AM. On est tous sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas, quoi. C'est une bonne technique commerciale. Ouais. Et puis, on est plutôt... c'est un bon test pour voir si t'as un bon sales ou pas. Et puis, on est plutôt ouvert. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de compte manager chez nous qui répondrait pas, quoi. Oui, il faut traduire les mots en anglais. Vous utilisez beaucoup comme ça de... Un peu trop, je pense. Un peu trop. Vous nous direz ça tout à l'heure. Et je disais en début d'émission, il y a des questions qu'on n'ose pas poser, qu'on ne pose pas. Comment est-ce qu'un recruteur prépare un entretien? Toi, Leslie, comment tu fais, spécifiquement chez Jobteaser, comment vous préparez ça? Alors déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une scorecard. Ok, un mot anglais. chez Jobteaser, donc pour traduire un peu notre jargon, on définit à chaque fois qu'on lance un poste les attentes qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va attendre de la personne qui va nous rejoindre pour considérer que le recrutement est une réussite. Et à côté de chaque attente, on va définir du coup des compétences qui sont associées, donc aussi bien des soft skills que des hard skills. Il ne faut pas oublier, du coup, quand on lance un poste, quand on reçoit un candidat, quand on évalue un candidat, on l'évalue toujours au regard de cette scorecard et donc du coup des compétences qui sont attendues sur ce poste. Donc ça, c'est la première étape du coup pour un recruteur et pour le manager, c'est d'identifier ensemble cette scorecard. Et ensuite, ça va être de bien regarder le CV, de bien relire le CV du candidat, de voir du coup s'il a laissé un message de motivation ou une lettre de motivation, de regarder ce qu'il a mis. Ça va être aussi de relire les notes qui ont été, les commentaires qui ont été laissés sur le candidat lors des différents échanges, okay, pour ne pas poser exactement les mêmes, éviter de poser exactement les mêmes questions et savoir un petit peu quoi tester, sur quoi appuyer. Donc notes en interne, c'est-à-dire que pour un account manager, tu liras les notes de Pierre-Alexandre. Toi, comment tu prépares ton entretien quand tu vas recevoir un candidat? Alors ça dépend, on va dire le stade du process. Du recrutement, il faut vraiment qu'on arrête process, recrutement. Ouais. donc ça va dépendre effectivement de l'étape dans laquelle on est dans le process de recrutement. Pour le premier, moi j'essaye de ne pas avoir trop de biais. J'essaye de ne pas trop regarder l'école de provenance ou autre, parce que je n'ai pas envie de me polluer avec ça. D'accord. Et d'appliquer un jugement en amont de l'entretien. Mm-hmm. Je préfère vraiment me dire... Presque entretien à l'aveugle, quoi. Oui, c'est ça. Échange humain avant tout, avant de regarder les skills. Okay. Même si ça, c'est quand même plus facile de le faire dans la troisième étape, qui est l'étape plutôt business case. OK. Oula, pareil. Étude de cas. Merci, Louisa. Mais effectivement, plutôt sur l'étude de cas, c'est encore plus facile de faire un entretien à l'aveugle parce qu'on n'est vraiment que sur des hard skills. Donc là, j'essaie de peu préparer. Après, et c'est quand même important d'avoir un suivi et pas perdre l'information. On a tous accès aux notes sur chaque candidat, sur nos outils en interne. Donc, je regarde quand même si sont notés dans l'outil des points d'amélioration ou des points d'attention sur lesquels il faut peut-être creuser. Parce que on n'a pas eu le temps de tout faire aussi, tout aborder pendant les précédentes étapes. Et Léa, est-ce que c'est Pierre-Alexandre qui t'a fait passer une des étapes de recrutement? Non, je n'ai pas rencontré ni Pierre-Alexandre ni Leslie quand j'ai passé. Super, il n'y aura pas de biais du tout. Ouais. Moi, je vais te demander comment toi, en tant que junior chez Jobteaser, tu as préparé vraiment ton entretien? Est-ce que tu as vraiment pris ça à bras le corps? Est-ce que tu es allé voir? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, ce qu'il faut faire, je ne sais pas si j'ai la réponse parfaite à ça. Bon, en tout cas, ça a marché. Après, moi, pour le coup, Jobteaser, c'était vraiment l'entreprise que je voulais. Okay. Donc, je m'étais donnée dans ma préparation. Juste pourquoi, en un mot Feeling, intérêt pour le produit. Okay. En fait, je connaissais quelqu'un aussi qui avait été en contact avec Jobteaser. Voilà, tu avais les feedbacks un peu. Voilà, exactement. Donc, je sentais que c'était une entreprise pour moi. Et ensuite, dans la préparation, pour moi, en fait, il y a vraiment deux phases. Il va y avoir toute une phase où je me prépare par rapport à l'entreprise. Donc, je vais aller creuser, comprendre, donc, bien entendu, le business model, ouais. Ce que fait l'entreprise, les actualités, etc., ce qu'elle propose, le métier en tant que tel, toute cette partie-là. Donc, vraiment, je me renseigne sur l'entreprise. Et là, ça passe par ce qu'on a pu dire, donc les réseaux, les anciens élèves. Et ça, franchement, c'est des super leviers aussi pour nous de pouvoir contacter potentiellement des personnes qui ont fait notre école, qui travaillent chez Jobteaser, etc. Et deuxième partie, c'est aussi me préparer moi, en fait, tout simplement, pour l'entretien. Et là, c'est vraiment repasse sur tout mon CV de telle expérience que j'ai appris, ce que ça m'a apporté, les difficultés que j'ai rencontrées. Okay. Et en gros, faire ça un peu, parce que finalement, c'est un peu comme ça aussi que... Moi, quand j'avais fait mon entretien pour Jobteaser, on était repassé un peu sur chaque expérience. Donc, venir préparer, quoi, tout simplement. Et en fait, vraiment, donc, le côté positif et le côté négatif sur les expériences, parce qu'il y en a aussi. Et avec du recul, il y a des choses que tu ferais mieux, que tu changerais ou pas, quand tu y repenses? Peut-être pas, hein. Honnêtement, non. Parce que en plus, moi, quand j'avais du coup passé mes entretiens, donc après avoir passé la première étape sur ma deuxième étape, et c'est là aussi que ça avait super bien matché, c'était vraiment un entretien où c'était un vrai échange, en fait. Et j'avais pas du tout eu ce côté très scolaire de « j'ai préparé tout ça, ouais. Donc je redis tout ça », tu vois. Ça a été vraiment, ça avait été un super échange, j'avais rigolé. Ouais, c'est ça, les candidats, ils sont pas là pour réciter une poésie, quoi, ouais, c'est feeling. Et la question que je voulais te poser, Leslie, c'est un candidat qui vient, c'est difficile parfois d'apprendre son parcours par cœur, les plus, les moins, etc., les axes d'amélioration. Est-ce qu'il peut amener son CV et, entre guillemets, le zioter, voire le lire, ou est-ce qu'il faut vraiment tout avoir appris par cœur en amont? Bien sûr qu'il peut avoir son CV, son CV sous les... D'ailleurs, je te coupe, est-ce qu'il doit l'apporter ou est-ce que vous l'avez? On l'a devant nous, on a nos ordinateurs avec le CV sous les yeux. Oui, si ça le rassure d'avoir un petit cahier avec des notes, avec son CV, etc., si ça le met plus en confiance, bien sûr qu'il peut. Après, l'objectif, ce n'est pas de connaître ses expériences par cœur. C'est juste, c'est nous, en général, qui drivons aussi l'entretien, qui conduisons l'entretien et qui allons l'interroger sur telle ou telle expérience. Après, il faut bien connaître ce qu'on met sur son CV pour ne pas être piégé et se sentir en difficulté si le recruteur veut qu'on en parle. Tout à l'heure, on parlait d'échanges humains chez Jobteaser. Toi, qu'est-ce qui te plaît pas, Pierre-Alexandre, dans l'entretien, qui peut un petit peu te rebuter? Il peut y avoir plein de choses différentes. Il y a des signaux qui sont quand même franchement négatifs. Quand je vois quelqu'un qui coupe la parole, par exemple, ou qui montre une écoute qui n'est pas si bonne que ça, pour moi, c'est rédhibitoire parce qu'en effet, je me dis, transposer en entretien avec un client où l'écoute active est vachement importante, si je sens qu'il n'y a pas une écoute bonne, évidemment, pour moi, c'est plutôt no-go. Il y a des choses après... C'est plutôt no-go, je vois que Leslie, elle rit. C'est plutôt non. C'est dramatique, vraiment. Vous allez tout connaître de notre genre lointain, comme ça. On s'habitue déjà. C'est plutôt non. C'est plutôt non, en effet. Mais c'est-à-dire que dans la culture entreprise, il faut déjà mettre un petit peu des mots anglais de partout. C'est ce que vous nous donnez. Oui, peut-être. Peut-être, non, mais c'est la déformation, c'est fou, après toutes ces années. Donc ça peut être un peu... Ça peut être un non, en effet. Après, il y a certains pièges à éviter aussi. En tout cas, nous, on va quand même insister pas mal sur les échecs, entre guillemets. Alors, ça peut paraître un peu bizarre quand je dis ça comme ça, mais on essaye de creuser un peu quel enseignement le candidat retire de ses échecs. Surtout qu'il n'y a pas de problème avec l'échec d'une manière générale, pas du tout. C'est juste au contraire comprendre ce qu'il en a retiré, comment il a rebondi, et ainsi de suite. Donc, on va quand même insister sur certaines parties un peu... pas sombre, mais flou, négatif de son passé, voilà. Et c'est pas non plus psy, on n'est pas un divan, je vous rassure. Mais, voilà. Non, mais c'est juste essayer de comprendre un peu comment lui, il en a tiré des leçons. Et donc, on va creuser un peu ça. Et si effectivement, il y a des paroles qui peuvent être vraiment négatives ou des critiques assez frontales, notamment sur le management que la personne a pu avoir par le passé ou autre, ça, c'est des choses, moi, je me dis tout le temps, les choses sont peut-être plus compliquées qu'elles n'y paraissent, donc juste critiquer son management
précédent, ça c'est un truc que j'aime pas trop. Mais c'est un truc qu'on entend tout le temps d'ailleurs, Leslie, dans les dans un peu les tips sur les préparations aux entretiens. Je sais pas comment toi tu le perçois quand un candidat dit du mal entre guillemets de son management d'avant. Je suis alignée avec ce que tu dis. Effectivement, ça fait, enfin, en tant qu'employeur, on se dit bon, on n'aimerait pas que le candidat aille ensuite nous dénigrer devant un autre, devant quelqu'un d'autre aussi. Donc effectivement, c'est plutôt quelque chose à éviter. Et puis après, c'est important de trouver le bon équilibre, je pense, entre on est en entretien, donc d'un côté, il faut se vendre, se mettre en avant, mais aussi montrer qu'on sait prendre du recul sur ses axes d'amélioration et ne pas tout remettre sur la faute de l'employeur, mais aussi montrer qu'on arrive à prendre du recul sur ce que nous, on aurait pu mieux faire, sur les difficultés qu'on a rencontrées. Et donc, c'est pour ça qu'on pose des questions, effectivement, sur les échecs, etc. Parce qu'en général, les candidats s'entraînent bien à parler de leur réussite, de leur succès, à se mettre en avant, à se vendre. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire en entretien. Mais il ne faut pas, un red flag, c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Quelque chose qui va me bloquer, c'est un candidat qui n'est pas humble et qui n'arrive pas prendre de recul sur ses axes d'amélioration. Il faut être honnête, transparent. Ouais. Ça fait la différence en entretien chez Jobteaser. Et si, pour résumer ta pensée, c'est venez, enfin, tu dis au candidat de venir avec un pitch. Ça y est, je suis dans la culture d'entreprise. En tout cas, il faut préparer une partie et pouvoir parler d'un échec. Ouais. Léa, tu avais préparé ça ou pas? Oui, j'ai vraiment vécu la chose, moi, pour le coup, parce que je sortais d'une histoire sombre, comme dirait Alexandre. Non, mais j'avais vécu un échec avant, notamment. Et c'était toujours un peu le stress de se dire, faut que j'arrive quand même à en parler, de la bonne façon. Et au final, en effet, du coup, je pense que c'est aussi notamment peut-être pour ça que j'ai été prise. Parce qu'on en a longuement parlé, du coup, avec la personne avec qui j'avais fait l'entretien. Et en fait, en toute transparence, tout ce que vous avez dit, en expliquant, du coup, ce que j'en ai tiré, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé selon moi, sans pour autant mettre la faute sur qui que ce soit, mais vraiment partager les leçons que ça m'a apporté et que du coup j'avais envie de changer, d'améliorer, de trouver aussi chez Jobteaser, et c'est là où il y avait un matching du coup par rapport à ce que je recherchais et ce que Jobteaser proposait. Et ça a clairement payé, parce que je me souviens, je crois que c'était après les vacances ou pendant les vacances que tu avais passé les process, et ça s'était fait super vite. Très vite, a priori. La maturité que tu avais sur un peu l'analyse de tout ça, ça t'a servi, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi un peu préparer, clairement. Ouais. Donc, pas avoir peur de parler d'un licenciement, d'une période de chômage, d'une année de césure. C'est au contraire très valorisant chez vous. Il y a des points vraiment à retenir qu'il ne faut pas faire en entretien. Je pense au retard, qui est un petit peu l'argument de base. Il y a d'autres choses qui ne sont pas appréciées dans votre culture d'entreprise. Moi, je pense que c'est important quand même de montrer qu'on s'est renseigné, de se renseigner, de ne pas arriver, de ne pas avoir donner l'impression d'arriver un peu en touriste, les mains dans les poches, de ne pas trop savoir ce qu'on fait là. On a le droit d'arriver en retard. Alors, si on arrive en retard, oui, bien sûr, ça peut arriver d'avoir un problème de transport, ou ça peut arriver d'avoir un problème, mais par contre, il faut prévenir. Appeler la personne avec qui on est en entretien, envoyer un mail pour prévenir. Donc ça, effectivement, c'est important. Et ensuite, montrer qu'on s'est quand même renseigné sur notre entreprise pour tout simplement avoir des arguments. Quand on demandera pourquoi, quand on cherchera à comprendre les motivations. Oui, complètement. Et dans l'étude de cas, donc la troisième étape, qui est vraiment, on fait une simulation de rendez-vous commercial. Là, effectivement, il n'y a pas de piège parce que le candidat sait qu'il va être interrogé et qu'il va y avoir une étude de cas. Si là, on sent qu'il y a une préparation sur le pitch, notamment de Jobteaser, et que le pitch est un peu à côté de la plaque, là, c'est sûr que c'est no go. Donc, comme toujours, c'est un peu de préparation et un peu de bon sens. À ce niveau-là. Quoi. On va parler évidemment en détail de l'étude de cas. Je veux juste savoir, Léa, quand tu es venue en entretien, est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu appréhendais? Et ma deuxième question serait, pour vous, manager côté RH, est-ce qu'un candidat qui arrive stressé, qui a des appréhensions, il peut être honnête et vous dire, écoutez, là, j'arrive en entretien, je dois vous dire quand même que j'appréhende beaucoup, je suis très stressée. Est-ce que tu l'étais? Et est-ce qu'il faut prévenir? Est-ce qu'il faut le dire? Oui, honnêtement, j'étais stressée parce qu'il y avait l'enjeu pour moi derrière. Mais au final, et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que très, très vite, vu que ça s'est très rapidement transformé en échange, en fait, le stress, il est parti. Mmh. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a donné envie, entre autres, de rejoindre Jobteaser. Mais c'est un peu, et je pense que c'est Jobteaser fait ça bien, c'est vraiment déstresser finalement la personne en face. Donc, c'est les premiers instants d'appréhension. Voilà. Vous pensez qu'il faut le dire? Je pense que ça dépend... Je pense qu'on est souvent les candidats sont un peu, c'est très fréquent d'être un peu stressé en entretien. Si ça se voit pas, si on arrive à parler, si ça ne se perçoit pas, ça sert à rien de le dire.
si maintenant, voilà, on perd un peu ses mots, on se laisse un peu déstabiliser, et que ça nous rassure de le dire. Parfois, je pense que dire, voilà, je suis un peu stressée, mettre des mots dessus, partager ça avec la personne qu'on a en face de nous, ça peut peut-être nous détendre. Donc, si on pense que ça peut nous détendre de le dire, bon, c'est pas grave, quoi. On va essayer de mettre plus à l'aise le candidat, et c'est pas quelque chose de rédhibitoire d'avoir un candidat qui est un peu stressé. Donc, ouais. Moi, je suis peut-être un peu plus mitigé aussi, parce que de par notre fonction, il faut quand même qu'on arrive à tenir la cadence, le cachet. Ouais, effectivement, on a des interlocuteurs qui peuvent être stressants. C'est quand même assez fréquent qu'on soit en direct avec des DRH ou autres. Donc, la gestion du stress à ce niveau-là, elle est quand même essentielle. Donc, pour moi, bon, OK pour qu'on le dise, mais j'ai envie de dire, il faut quand même assez vite switcher parce que si ce stress-là, on n'arrive pas à aller à l'encontre de ça, d'autant qu'en plus, on est quand même vraiment bienveillant, notamment en début d'entretien. On n'est pas du genre à tout de suite rentrer dans le lard, entre guillemets, si je peux me permettre, et du coup, créer du stress ou créer du... Non, on ne le fait pas justement pour que la personne soit détendu et qu'on ait le vrai visage de la personne qu'on voit en face de nous. Donc, si c'est trop de stress, ça peut quand même être un peu rédhibitoire. Et ça fait partie des critères que tu regardes quand tu fais passer les business case. Là, tu nous en parleras après parce que tu l'as passé, ce business case, cette étude de cas. Donc, il y en a une chez Jobteaser. Oui. Tu peux nous dire les étapes ? Oui, complètement. Alors, ça va dépendre des cas. En tout cas, nous, ce qu'on fait la plupart du temps, nous, c'est qu'on va simuler un entretien téléphonique pour la plupart du temps ou en vrai, parce que bon, en ce moment on fait que des entretiens téléphoniques. Et l'idée c'est on simule en fait un entretien plutôt de prospection. D'accord. Plutôt de prospection où on va, même pour des account managers d'ailleurs, parce que le but c'est aussi c'est clairement de tester deux choses, principalement deux choses, c'est la connaissance du pitch et la qualité des questions que la personne va poser. Parce que dans un entretien, et dans un cas de prospection, l'intérêt, c'est que le business developer ou le account manager pitche bien le produit, la solution, et pose les bonnes questions pour justement apporter une réponse pertinente à son client. Donc, c'est l'écoute active. Donc déjà, on va tester la maîtrise du pitch et donc la préparation de Jobteaser. Est-ce qu'il comprend bien le business model, les quelques chiffres clés, etc. Notons qu'on a quand même beaucoup d'infos qui publient, c'est quand même pas compliqué pour trouver les infos, donc ça on le teste clairement. Et après, c'est la capacité à poser les bonnes questions. Voilà. Et puis c'est plein de choses aussi, c'est dans le langage corporel. Ouais, tes conseils, il n'y a pas une méthodo, mais c'est quoi ? Sourire, tu disais écoute active Ouais, effectivement. Bah, après, ce qui est chouette, c'est que je trouve chez Jobteaser, je ne sais pas ce que tu en penses Léa, mais on n'est pas trop des robots, on n'est pas tous pareils côté sales et commerciaux d'une manière générale. Quoi. Donc vraiment, chacun peut avoir sa patte en fonction de sa personnalité commerciale. Donc je trouve ça super important de l'incarner, ça, et de l'assumer. Après, les petites choses, effectivement, l'écoute active, ça, c'est quelque chose qui est super importante. Le sourire, l'ouverture, effectivement. Et puis, ouais, le suffisamment de sérieux quand même, parce qu'on peut, sans tomber dans le cliché, mais moi, le chien fou, entre guillemets, qui certes a des capacités sales, pourquoi pas, c'est bien, mais je veux quand même m'assurer que derrière, qu'il est capable de comprendre le business model du client, parce que moi, je joue le client, du coup. Donc, comprendre mon business model, poser les bonnes questions, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est super important. Et la finalité de ce cas, c'est de me donner suffisamment envie dans le pitch et dans les premiers éléments de réponse qu'il va m'apporter, me donner suffisamment envie de creuser vraiment le sujet de Jobteaser pour qu'on fasse vraiment une démonstration à part entière. Donc, c'est un cas qui dure à peu près une demi-heure, hors préparation. Et peut-être, j'allais dire, est-ce que tu peux nous pitcher, nous dire comment sont structurés les rendez-vous chez Jobteaser ? Ouais, y a différentes étapes. Alors, on a un peu un cadre à ce niveau-là que tout le monde essaye de respecter. En gros, un entretien avec un client, c'est toujours à peu près structuré de la même manière, en tout cas sur des business développeurs, donc des gens le premier lien qu'on peut avoir avec un client qui ne nous connaît pas. Ça va être le pitch de Jobteaser dans un premier temps, la contextualisation, rappeler pourquoi on a pris le rendez-vous, qui on est, etc. Pitcher Jobteaser rapidement pour tout de suite aller chercher l'attention, parce qu'on a quand même un business model qui est particulier, donc il faut tout de suite le contextualiser et tout de suite aussi nous rendre légitime, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est quand même fort comme outil, donc il faut tout de suite l'asseoir, ça, entre guillemets. Et après, c'est la phase de découverte qui est la troisième phase. Donc la découverte, là, c'est vraiment de l'échange, questions-réponses, pour essayer de cerner les enjeux de son client. Et une fois qu'on les a cernés, on va passer un peu sur un mode recommandation. Mais recommandation, ça va se faire
par rapport à l'outil. Okay. Donc, on va projeter le client sur la solution. Donc là, c'est une quatrième phase qui s'appelle la démonstration. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'outil. Et après, bah, ça peut dépendre, mais sans tout dévoiler. si on veut savoir, nous. Sans tout dévoiler. Mais après, une fois que voilà, on a cerné les enjeux, on a bien expliqué ce qu'on faisait et on a fait une recommandation en projetant vraiment le client sur la solution, et ben on va passer sur la phase de négociation, qui est la dernière phase. Donc là, on va essayer de négocier, de proposer quelque chose et faire ce qu'on appelle le closing. Donc c'est cadrer les next steps de cette négociation-là. Donc savoir les délais, est-ce que c'est OK ou non, savoir les next steps du côté du client sur la prise de décision. Voilà, après, je passe les détails, mais il y a plein d'étapes sur toutes ces... Et donc, il faut qu'en fait, l'account manager, le futur account manager maîtrise tout ça. Je te dis ça parce que Léa, toi, tu m'as dit, enfin, entre guillemets, hein, Léa, tu m'as dit, j'ai pas vraiment réussi ma simulation, mais tu savais pourquoi et tu l'as justifié et ça t'a pas empêché de décrocher ton entretien. Ouais, en effet, mais alors moi, du coup, je suis arrivée vraiment junior, hein, du coup, chez Jobteaser, j'avais pas vraiment d'expérience avant. Et c'est vraiment déjà quelque chose que j'avais mis en avant de faire mon business case et que j'allais attendre justement de Jobteaser, de l'accompagnement, de pouvoir monter en compétences, etc. Donc, j'arrivais un peu désarmée en quelque sorte sur toute cette partie-là. Maintenant, bien entendu, on prépare tout ce qu'on peut préparer. Donc, on sait qu'on va avoir un business case, on sait qu'on va devoir pitcher Jobteaser. Donc, on se prépare bien entendu sur ça, même si on doit inventer quelques informations parce qu'on les a pas, etc. C'est pas non plus rédhibitoire, je pense, côté Jobteaser. Mais du coup, en effet, j'ai fait mon cas qui s'est pas mal passé, mais qui s'est pas non plus, ça n'a pas été le plus grand succès de ta carrière. des cafés chez JT, Jobteaser, pardon. Mais par contre, en effet, sur du coup, l'après, il y a toute une partie quand même, débrief du cas, où moi j'ai pu analyser en gros ce que j'avais fait, ce que j'avais bien fait, les axes d'amélioration, etc. Et je pense que c'est ça qui a été pris en compte, en tout cas dans mon cas, lorsque j'ai fait du coup. Et ça reprend ce que vous disiez juste avant, on a le droit à l'échec. À partir du moment où c'est justifié, c'est accepté. À partir du moment où tu as été intégré, comment s'est passée ta période d'intégration? Peut-être d'abord, Leslie, tu peux nous en rappeler les grandes étapes. Ouais. Donc l'intégration chez Jobteaser, elle a plusieurs étapes effectivement. Donc le premier jour, déjà quand on arrive, on a un petit déjeuner avec les autres personnes qui arrivent le même jour que nous et notre manager. On a ensuite du coup une session RH. On va répondre un peu à toutes les questions que les nouveaux collaborateurs peuvent se poser au niveau administratif, donc sur leur contrat, sur la mutuelle, sur les tickets restaurants. Alors, quand on est jeune diplômé, souvent, c'est des choses qu'on ne connaît pas trop aussi. Donc, on veut la carte ticket restaurant. C'est le moment aussi d'éclaircir un petit peu tout ça. Mm-hmm. Ensuite, il y a un point avec notre équipe IT qui va du coup équiper les nouveaux collaborateurs de leur ordinateur, de leur téléphone, faire les paramétrages importants. Le premier jour, il y a aussi un tour des locaux qui est fait. On attribue aussi ce qu'on appelle un buddy parrain aux nouveaux collaborateurs. Et l'objectif, donc, c'est que ce soit quelqu'un qui ne soit pas dans la même équipe et qui puisse du coup déjeuner avec le nouveau, faire un café aussi avec lui pour lui permettre de s'intégrer un petit peu de manière plus informelle. Donc pour la petite anecdote, c'est nous dans l'équipe RH qui essayons de trouver un buddy qui colle bien. Donc on essaye de faire des matchs, de dire alors lui je pense qu'elle pourrait bien coller avec lui. Donc c'est le premier jour. Ça c'est le premier jour effectivement. Ensuite le premier mois, donc on fait ce qu'on appelle un onboarding général. Donc là c'est chaque membre de la direction de chaque département qui vient effectivement présenter son département, les enjeux aussi pour les mois à venir, pour vraiment permettre aux nouveaux collaborateurs d'avoir un peu une vision 360 de ce qu'on fait chez Jobteaser et de comment on est organisé. Et on a aussi ce qui s'appelle un onboarding produit. Donc ça, c'est sur notre plateforme de formation pour vraiment bien savoir comment, enfin avoir la vision produit la plus complète possible. Donc ça c'est le premier mois. Et ensuite, au bout de 2 mois environ, on a ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Donc ça, c'est fait avec la RH qui s'est occupée du recrutement. Et l'idée, c'est de savoir un peu comment se sont passés les 2 premiers mois, de faire un peu un bilan et de savoir ce qui a un petit peu surpris le nouveau collaborateur. Et là, je voudrais te poser une question. Une fois que tu as été onboardée, je sais que tu as eu ta période d'essai pendant le confinement ou juste avant. Oui.
Je voulais savoir comment tu l'avais vécu et comment est-ce que qu'est-ce que tu as mis en place pour la vivre au mieux. Oui, en effet, moi, du coup, je suis arrivée juste un mois, du coup, avant le premier confinement. Donc, en fait, on a un mois de formation plus ou moins au global. Donc, j'ai fait mon mois de formation et ensuite, très vite, bloquée chez moi pour travailler. réellement, c'était quand même beaucoup de stress parce que de toute façon, quand on est junior, que c'est le premier emploi et que voilà, on vient d'arriver, le stress, c'est la période d'essai. Et la période d'essai, elle dure combien de temps? Elle dure 4 mois, renouvelable 4 mois. Okay. C'est ça. Donc stress éloigné, période d'essai junior. Ouais, et puis un peu le côté aussi mince, je vais pas avoir l'occasion de faire mes preuves parce que en fait, y avait aussi le chômage partiel etc qui était en place. Je pense qu'il a fait la différence et là du coup, j'en profite pour remercier Pierre Alexandre qui m'a accompagnée pendant cette période. donc c'était Pierre Alexandre qui était mon manager quand je suis arrivée chez Jobteaser. En fait, on faisait quand même des points régulièrement ensemble et c'était un peu des discussions aussi ouvertes là-dessus où toi, tu me rassurais, tu me donnais aussi un peu les informations que tu pouvais avoir. J'étais pas isolée dans mon coin en me disant, en fait, je suis toute seule. Ouais, je suis pas intégrée. Dans 3 mois, je m'en vais. Et puis voilà quoi. Quelle période quand même. Complètement. On avait peu de visibilité. Économiquement, tout était mis à l'arrêt. Donc, incertitude pour tout le monde. Donc, c'est sûr que l'intégration pas évidente quoi. Ça fait plaisir après un peu de recul maintenant de voir que tout roule quoi. Il fallait s'adapter au mieux, mais à la fois les managers et les collaborateurs. Et ma dernière question, ce sera comment aujourd'hui on fait pour évoluer au sein de Jobteaser, avec notamment cette idée de flexibilité, parce qu'il y a le télétravail, mais il y a aussi le présentiel et avec les circonstances. Quels sont vos conseils pour s'adapter au mieux dans l'entreprise, mais aussi faire sa carrière quoi. Oui, bien sûr. Alors, pour s'intégrer au début, je pense que, on a quand même mis en place une politique de télétravail qui est assez ambitieuse parce qu'on n'en faisait pas beaucoup avant. Mmh. Et aujourd'hui, tu me coupes si je dis des bêtises, mais effectivement, il n'y a qu'une seule journée obligatoire par semaine au bureau. Voilà. On est quasiment passé sur du télétravail pas complet, mais quand même c'est assez ambitieux. Avec, pour juste rebondir sur ce que tu dis, effectivement, avec un mois en plus. Non, c'est tout à fait ça. Donc, un jour par semaine, sauf un mois qu'on peut prendre soit d'un coup, soit de manière fractionnée dans l'année, où on peut faire du télétravail où on veut en Europe. Oui. Ça, c'est des arguments qui sont forts. En plus, aujourd'hui, ils sont vachement attendus côté candidat. Donc, c'est très pertinent qu'on le fasse. Même si, je pense qu'au début, en fait, tout dépend de la séniorité aussi du candidat. C'est-à-dire que si c'est plutôt un poste jeune diplômé, donc sorti d'école, dans la mesure où au début, il faut quand même prendre beaucoup, beaucoup de discours des autres. Je pense que ce côté un peu informel, présentiel, donc au bureau, en écoutant ce que les uns disent, etc., c'est super important, ça, je pense vraiment. Donc, ça serait le conseil que j'aurais au début, c'est effectivement, un jour ou l'autre, assez rapidement, suite à l'onboarding, il n'y aura pas de souci pour le télétravail. Hein. Mais ma reco, en tout cas, ça serait de quand même pas mal venir au début. Et puis, goûter aussi à l'esprit d'entreprise. La culture d'entreprise, elle n'est pas innée. Elle se teste en grandeur nature. Donc, il faut quand même venir, je pense, un peu au début. Ça, c'est ce que je dirais. Et puis après, pour évoluer, c'est vrai que je n'ai pas réfléchi à la question. Je pense qu'il faut... Faut toujours prendre du recul et nous c'est ce qu'on fait notamment sur la partie évaluation. On a deux moments d'évaluation dans l'année, donc les performance review et les development review. Sur la partie développement, c'est comment tu te projettes en fait. Et donc c'est une discussion qu'on engage quand même assez régulièrement, mine de rien. Donc très souvent, on a quand même une vision claire sur ce que souhaite le collaborateur. Et nous, on essaie en tant que manager de leur donner un maximum d'infos pour qu'eux puissent se projeter justement. Et c'est l'intérêt aussi de très vite se rendre compte aussi des lacunes ou des points forts, justement, au vu du plan de carrière du collaborateur. Donc voilà. Être proactif, faire un point sur ses attentes, ça aide en tout cas à l'évolution. J'ai envie de vous dire thank you, parce que ça fait partie de la culture d'entreprise. Mais je précise aussi qu'il faut parler l'anglais, en tout cas, c'est important. Oui, on est une entreprise internationale et on comprend mieux les mots. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier tip, merci à vous. Une dernière reco? Non, restez naturel, faire confiance pendant le process de recrutement et tout se passera bien. Ouais. Merci à tous les trois. Merci Lisa. Merci Lisa.